Dans les kiosques, nos confrères de AS, journal madrilène, qui annonce que la décision de Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat au mois de juin avec le Paris Saint-Germain, serait imminente. Ça y est, la décision, le capitaine de l'équipe de France serait même engagé auprès du club de la capitale, donc du Paris Saint-Germain, à communiquer très prochainement, soit dans pas plus d'une semaine ou deux semaines, donc avant le match de l'huitième de finale de Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Alors les faisceaux d'indices se font de plus en plus nombreux. Loïc Tanzi ici nous avait dit, Loïc qui fait partie des journalistes, qui suit Paris Saint-Germain au quotidien pour le journal L'Équipe et pour l'équipe de Greg, nous avait dit, voilà, moi je sens qu'il y a une tendance Real Madrid et je sens que la décision devrait arriver avant le match contre la Real Sociedad. Vincent Duluc nous avait également dit ceci. Anthony Clément, vous êtes aussi journaliste au journal L'Équipe. Est-ce que ça vous semble évident que le feuilleton, la décision va apparaître là d'ici une quinzaine de jours, comme le titre nos confrères de AS? Oui, on n'est jamais sûr de rien avec Kylian Mbappé. C'est sûr. Déjà surpris par le passé, mais là, tout ce qu'on dit depuis plusieurs semaines maintenant, c'est que la décision doit se faire au courant du mois de janvier. Et le mois de janvier se finit dans deux mois. Donc rien ne l'oblige à traîner, parce que de toute façon, il est libre de s'engager où il veut depuis le janvier, et ça sera la même chose pour lui qu'il signe dans deux mois, dans trois mois ou maintenant. Donc on ne peut pas non plus dire que ça sera demain ou rien. Non, mais on va partir du avant le match contre la Real Sociedad. Et voilà, et la tendance, c'est que ce soit le Real Madrid avant cette échéance-là, c'est sûr. Est-ce que ça perturbe Ludo Bragnac? Alors, Mbappé, ça n'a pas l'air de le perturber beaucoup. Je ne sais pas, moi, un groupe à 15 jours d'une telle échéance, est-ce que ça peut jouer, tout simplement? Mais ça ne perturbe pas qu'un groupe, ça perturbe tout un club, toute une région, toute même une nation, tout un pays. Et c'est... Un peu, là. Bah, et non, je m'enflamme pas. C'est, on n'a pas l'air très perturbé. Je vous rappelle quand même qu'on est en pleine négociation des droits TV. S'il l'annonçait avant qu'on ait signé n'importe quel droit, je vous laisse imaginer quand même celui qui va acheter, ça va quand même rentrer dans sa réflexion quand il va poser un... pas d'offre à la hausse. Quand il va poser un chiffre sur la table. Mais moi, vous êtes tous en train de m'expliquer que Kylian Mbappé, non, qui est censé, ah si, vous me dites tous, il va donner sa décision. Vous avez tous des infos. Et s'il le fait, alors là, je comprends plus rien. Donc ça veut dire à quelques jours d'une échéance capitale pour le Paris Saint-Germain, lui, il va mettre le feu aux poudres, parce qu'on va parler que de ça. La va être faite au club, mais qui nous dit que ça sera officialisé? C'est ça l'information. Ça, c'est qu'il va l'officialiser aux deux clubs. Il va pas venir sur le plateau pour nous expliquer. Non, mais... Et ça se trouve, ça filtrera pas. On connaît le club du Paris Saint-Germain. Une telle décision, ça restera pas dans le secret, des moines. Hein, je vous le dis. On va écouter quand même ce qu'il disait. Je vous donne la parole. Ouais. Il disait lui-même. Pourquoi traîner? Si je sais, cela dit, il sait là, Olivier Bossard, a priori. J'en suis sûr, et c'est pour ça en fait que moi je sépare la décision de l'annonce en fait. Je pense que la décision elle est prise dans sa tête, c'est clair. Aujourd'hui, il a la proposition du Real sur la table, celle du PSG elle est sur la table. Je pense qu'il sait exactement ce qu'il va faire. Je ne suis pas sûr que ce soit une fin de saison du PSG ou une victoire ou une défaite contre le Real Sociedad qui va changer quoi que ce soit. Qu'est-ce qui ne saurait pas aujourd'hui, qui découvrirait demain? À mon avis, rien du tout. Mais je pense qu'il veut rester maître du temps. Il s'était un petit peu fait avoir la dernière fois au PSG quand il l'avait fait poser avec son maillot 2025 sans vraiment trop lui dire. Donc à mon avis, cette fois, il sera maître du temps. Et il le dira quand il aura envie de le dire, et point final. C'est pas seulement par rapport au PSG, c'est le Real qui peut aussi s'impatienter par rapport à ses volontés. Ça, c'est sûr. Mais bon, tu sais à quel point... rien n'est fait au hasard, en plus, du côté des Mbappé. Et puis on peut se poser la question. Là, ces sorties médiatiques entre France 2 ou tout un tas de choses, on avait presque l'impression que... Bruno Salomon avait expliqué quand même qu'il y avait certaines choses qui étaient... pas forcément voulu. Autant vous pouvez maîtriser une sortie chez Élise Lucet ou donner une interview comme ça en sortie de match après le trophée des champions. Autant sur GQ, on a le sentiment qu'eux ont pris la décision de la sortir trois mois après l'interview. Voilà, il y a une concordance pas forcément toujours voulu, même s'il y a eu deux sorties. Après j'ai l'impression que rien n'est jamais fait au hasard avec le plan Mbappé. Et vous voulez dire que Bruno Salomon dit n'importe quoi, c'est ça? Pas du tout. Ils sont très forts pour brouiller les pistes. Mais exactement, aussi. Exactement. Bon, alors après, Benoît, moi je reviens sur le terrain parce que, évidemment, AS fait sa une là-dessus. A priori, le Real est habitué à ce que des grands champions viennent comme ça régulièrement, on les annonce. Je ne suis pas sûr que ça perturbe à Bellingham, vous voyez que l'année prochaine, ça peut peut-être jouer. Maintenant, la question. Et on salue Faro, Mbappé, bientôt la décision. Allez, je jette la pièce pile ou face. Je reviens sur ce que disait Ludo, parce que j'aimerais avoir votre sentiment. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur le fait que ça peut perturber? Je reste sur le sportif. À ce point-là, une équipe comme le PSG, ou alors Luis Enrique et ses joueurs seront hermétiques? Lui, en tout cas, il ne sera absolument pas perturbé. Ah, lui, non. Lui, il dicte sa loi.
Il dicte sa loi, Mbappé. Il est au-dessus de tout ça. Lui, la pression, elle glisse sur lui. Il n'y a aucun souci, que ce soit avant un huitième de finale ou avant une finale de Champions League. Il peut être soulagé d'annoncer ou de se faire dire. Mais tout est déjà calculé. Ils savent déjà depuis 2-3 mois, c'est certain, le club Mbappé. Maintenant, ils se disent, on va trouver le timing, le bon timing, et c'est nous qui le choisiront. C'est alors, pas est-ce le que club. C'est le bon timing, là? C'est ça, ma question. Est-ce que là, c'est le bon timing? Avant un match, ils décident de le dire tôt pour justement se dire, on joue libéré, pour espérer, imaginez, pourquoi pas la gagner. Imaginez les émissions, tout tournerait autour de ça. Il y en a déjà. Moi, honnêtement, c'est plutôt calme. C'est plutôt calme. On y pense sans y penser vraiment. Le jour où quelqu'un apprend l'info et que c'est vérifié, mais c'est la folie. Et ça va être une bombe. C'est la folie. Ça va être une bombe. Ah oui, mais enfin, comme toute décision. C'est une bombe. Mais encore, il a aucun intérêt à faire ça maintenant. Encore plus en Espagne. Parce qu'en Espagne, c'est x10 par rapport à toutes les nouvelles en France. Mais rappelez-vous, juste pour terminer, la première fausse arrivée au Real Madrid, Florentino Pérez, il a dit en gros, c'est persona non grata au Real Madrid. Et là, bizarrement, on veut bien t'accueillir, on est prêt à t'accueillir. Ça montre tout. L'importance de Kylian Mbappé, le poids qu'il a dans le football, il décidera de tout, il décidera quand il le dira. Je peux vous dire que le clan Mbappé est maître de son destin. En parlant de l'Espagne, donc aujourd'hui, la presse espagnole en remet une couche en mettant Mbappé en une. Il y avait déjà eu une une du quotidien sportif AS, c'était le 6 décembre dernier. Un plan pour Mbappé avait titré le quotidien espagnol avec ce soi-disant ultimatum, vous vous souvenez, du 15 janvier, finalement, qui n'en était pas un. Hier, le président de la Liga, Javier Tebas, y est allé de sa petite déclaration lui aussi, et il se montre plutôt confiant quant à l'avenir de Kylian Mbappé, le patron de la Liga. Je crois que les chances sont élevées. C'est une opinion personnelle. Il estime les chances du Français de venir au Real à plus de 50%. Beaucoup, hein. Cela dépendra du Real, du président et de ce qu'il est prêt à miser. En même temps, c'est une chance sur deux, effectivement. Ouais. Le Real Madrid doit penser que l'arrivée de Bellingham lui permet d'avoir déjà une star. Vinicius en est une autre. Si le joueur veut aller à Madrid, il ira. Voilà pour les mots de Javier Tebas. Tebas, meilleur ami du PSG, hein, on n'oublie pas depuis de le préciser. Ces derniers temps, évidemment, sera ravi d'accueillir cette fois-ci, par contre, Kylian Mbappé. Il y a aussi un truc dont on n'a pas beaucoup parlé. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont il l'annoncera? Alors moi, je veux bien lui proposer de venir là, de faire tranquillement un petit démineur avec nous, puis derrière d'annoncer ce qu'il veut faire. Mais est-ce qu'il peut le jouer à la LeBron James, à la Antoine Griezmann? Est-ce qu'il fera ça de manière très sobre? Est-ce que ce sera le Real qui prendra la main avec un communiqué, le PSG? Comment vous imaginez ça, Anthony? Je pense que le cas de Griezmann ne va pas l'encourager. Non, ça n'a pas été une grande réussite. Ça n'avait pas été un triomphe. Qu'il n'appellera pas Piqué pour le filmer. Quoi. Voilà. Après, c'est particulier par le timing aussi, parce que souvent, au Real, c'est y a la grande réception. Regardez, Anthony Clément, très élégant aujourd'hui. Vous avez le droit à votre dessin. La classe. Et c'est vrai qu'il y a un air. Ouais. Mais après, voilà, normalement, on a toujours l'image du Real Madrid qui accueille le joueur en grande pompe et qui fait le discours au pupitre. Non, ça, en janvier, c'est pas possible. Mais il n'y a pas de bonne solution, en fait, parce que... Ils peuvent faire ça sobrement, parce que ça peut être, je redis, un communiqué, comme on le voit parfois en politique, avec... voilà, c'est non. Ça. Mais c'est le Real qui va décider. Oui. Le Real est plus fort que tout. Alors, Kylian Mbappé est un homme de pouvoir. On l'a vu, il est capable d'appeler le président Macron. Comme le Real ou le PSG, hein. Le Real est beaucoup plus fort que le PSG. Et non, mais je parle il n'aura pas ce pouvoir-là. Vous annoncez sa destination-là. Ben, je pense qu'il va vouloir évidemment s'adresser aux supporters de Paris, forcément, après tout ça, s'il part. Mais à mon avis, le Real aura la main. Il n'est pas plus fort que le Real. Mais c'est, aura pas un côté, c'est le Real qui va décider. Il n'y aura pas un côté s'il annonce à l'avance. 7 ans, il dit non, mais voilà, mais il dira 7 ans, allons chercher celle-là, quoi. Il y aura un côté théâtral dans son annonce. Non, mais il n'y aura pas un côté allons chercher cette Ligue des Champions-là, un nouveau titre, un truc pour que les supporters restent mobilisés, quoi qu'il arrive. Que c'est pas justement de dire moi, je vous dans dis, 10 jours au jour moi, je vous dis, on le saura au dernier moment. Oui. On le saura au mois de mai. Parce que imaginons que tu passes la Sociedad, il l'annonce, là, comme vous dites. Et d'ailleurs, tu tombes le Real. C'est déjà arrivé plein de fois. On peut le savoir sans qu'il communique. L'info peut sortir, lui peut se faire. Mais c'est déjà arrivé plein de fois des joueurs comme tu sais très bien que quand tu dis quelque chose, ça sort. Surtout dans ces milieux-là. Sans qu'il communique officiellement, je veux dire. Ouais. Là, ça voudrait dire, donc, après les huitièmes de finale, donc le huitième de finale retour du Paris Saint-Germain, c'est le 5 mars. Ouais. Derrière, il y a d'autres échéances, il y aura les quarts de finale. Derrière, on ne va pas attendre le 18 mai du côté du clan Mbappé pour la dernière journée de Ligue 1. Peut-être pas le 18 mai, mais de toute façon, le 1er juin, le contrat, il s'arrête le 30 juin, et le début de l'Euro, c'est le 14 juin. Ouais. Donc, de toute façon, avant le début mai. Moi, je suis prêt à parier. Fin de saison. Attendez. Hop, on revient au plateau. Qu'est-ce que vous pariez au niveau de la date? Au niveau de la date, vous dites quoi, vous?
Vous dites là avant la Sociedad. Moi, je m'engage pas, c'est les chroniqueurs qui s'engagent. M'engage non, ça dépend de quoi on parle, en fait. Est-ce que tu parles d'une communication de Mbappé ou du fait que l'info soit avérée? Non, bah, ça dépend ce que vous dites. Mbappé, vous dites quoi? Vous dites que si vous dites qu'il a pris sa décision, on est tous à même de dire que lui a pris sa décision, on est d'accord là-dessus. Non, c'est par contre, c'est quand il l'annonce? Oui, et à qui et comment? Moi, je pense que ce sera avant la Real Sociedad. D'accord. Bah, alors, moi, je pense que ça sera largement après. On parie un resto. Moi, je vois bien on parie un resto. Fin de saison. Moi, je dis que rien ne l'oblige à parler lui-même avant la Real Sociedad. Mais par contre, on saura possiblement avant la Real Sociedad. Bah, écoutez, les paris sont ouverts. La presse espagnole en fait sa une. Nous, on ouvre le débat sur ça. On sent que ça commence à bouger. Est-ce que le Real de Madrid doit absolument persister sur le dossier Kylian Mbappé? Est-ce que Kylian Mbappé doit absolument venir au Real de Madrid? Est-ce que le Real a vraiment besoin de Kylian Mbappé? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, on va parler du Real de Madrid, la Maison Blanche, la Casa Blanca. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Kylian Mbappé au Real de Madrid. Est-ce que le Real de Madrid a vraiment besoin de Kylian? Est-ce que le Real doit à tout prix faire Kylian Mbappé, les amis? Parce que lorsque moi je regarde l'effectif du Real de Madrid, tu as Vinicius qui joue plus ou moins au poste de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, certes, il peut jouer en pointe, mais moi je pense qu'il est plus efficace sur le couloir gauche. Et couloir gauche, ailier gauche, il y a Vinicius. Du coup, on se pose la question, est-ce que Kylian Mbappé est vraiment indispensable dans ce Real? Est-ce que le Real doit à tout prix faire Kylian? Moi, je pense que non. Le Real Madrid, ils ont un joueur de grande qualité à ce poste. À l'occurrence, ici, Vinicius. Vinicius peut jouer ailier droit, ailier gauche, ailier droit. Rodrigo peut jouer à ce poste. Rodrigo. Moi, je pense qu'ils ont des joueurs. Sans compter que tu as du Jude Bellingham. Tu as Jude Bellingham qui marche sur la lune. Tu as un Jude Bellingham qui marche sur la lune. Moi, je pense que le Real de Madrid a plus besoin d'un avant-centre type Erling Haaland, type Julian Alvarez, qu'un Kylian Mbappé. Je pense que le Real de Madrid a plus besoin d'un avant-centre. Un Erling Haaland fera beaucoup du bien à ce Real. Un Julian Alvarez fera beaucoup du bien à ce Real. Donc, Kylian Mbappé, c'est un très grand joueur. Pour moi, c'est un joueur qui doit prendre au moins un ballon d'or s'il continue, s'il fait de lancer. Mais vu les joueurs que le PSG a offensivement, Kylian Mbappé n'est pas indispensable. En revanche, lorsque moi je regarde l'effectif du PSG, si Kylian Mbappé quitte le PSG, ça sera le désert. Ça sera le désert offensif. Qui va encore marquer les buts? Parce que quand ce n'est pas Kylian, c'est presque personne. Hein. On parle d'un mec qui a marqué environ 20 buts. Seulement en Ligue 1. Les gars. Donc, c'est un jeu, à mon avis, c'est mon avis à moi, c'est un jeu qui est plus utile, au PSG qu'au Real de Madrid. C'est mon avis à moi. Parce que je trouve que si pour Real de Madrid, il serait chez le Real, mais le Real, déjà, ils ont les joueurs à son poste. Je l'ai dit, tu as Vinicius, tu as Rodrigo. Il y a des joueurs de qualité. Tu as un Jude Bellingham qui superforme. Ancelotti est très, très fort pour construire une équipe. Donc, si Real est déjà très, très fort sans Kylian Mbappé, donc, moi, je ne vois pas l'intérêt du Real de Madrid de prendre Kylian Mbappé. Je ne vois vraiment pas l'intérêt du Real. Je ne vois pas l'intérêt. Peut-être, c'est le plan marketing, oui, il va vendre les maillots. Mais, c'est le plan purement footballistique. Le Real peut s'en passer. Il peut clairement s'en passer de Kylian. En revanche, pour que le PSG s'en passe de Kylian,
à mon avis, ça sera très compliqué. Parce que Kylian, c'est quasiment le seul joueur offensif à droite devant les buts. À droite devant les buts. Parce que on sait bien que Colomani, c'est pas un avant-centre vraiment. Ousmane Dembélé est maladroit devant les buts. Bakoula est maladroit devant les buts. Donc, le seul jeu à droite devant les buts, c'est Kylian. C'est Kylian. Donc, si le PSG paye Kylian, tu paies environ 40 buts. Tu as perdu environ 40 buts. Et si tu paies 40 buts, je ne suis même pas sûr que tu remportes la Ligue 1. Je ne suis même pas sûr que tu remportes la Ligue 1. Si le PSG paye Kylian, je ne suis même pas sûr qu'il vous remporte la Ligue 1. Parce que ce PSG-là, ce PSG qui est moribond, là, qui n'arrive pas à garder l'avance, il mène 2-0 face à Brest. Ils se font remonter face à Brest. Brest. Je ne parle pas de Monaco. Brest. Donc, franchement, Kylian Mbappé, à mon avis, le PSG doit tout faire pour le garder. Après, il ne faut pas garder un joueur parce que tu veux le garder. Si Kylian demande des choses vraiment hors normes, il faut le laisser partir. Il faut le laisser partir. Je trouve que lorsque tu as fait le nécessaire pour garder un joueur, s'il exagère, faut lui laisser la porte de sortie. Faut lui laisser la porte de sortie. Partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à la thématique. Moi, je pense que le Real n'a pas forcément besoin de Kylian, qui a des joueurs déjà à ce poste capable de très bien jouer à ce poste. Je pense notamment à Vinicius. Donc, je ne vois pas le besoin de prendre Kylian Mbappé, peut-être pour des raisons marketing. Partage-moi ton ressenti une fois de plus. On se dit à très bientôt pour notre revue de les amis.